on craint tous les matchs. Avant chaque match, on respecte tout le monde. Il faut respecter tout le monde et il faut rester humble. Je le répète tout le temps. Après, c'est à nous de, si on veut rester là-haut, de gagner les matchs, c'est tout. Mais il faut qu'on continue à être pénible à jouer et qu'on soit encore meilleur quand on a le ballon pour être encore plus dangereux. Mais je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, si l'être humain il est comme ça, quand on le flatte, quand on dit qu'il est fort, qu'il est beau, on a tendance à se relâcher, à faire moins d'efforts. Et là, la chute, elle commence. Non, mais de toute façon, on fait un sport collectif. On le voit hier soir avec Paris, hein, et quand il y a des joueurs qui font pas les efforts pour récupérer le ballon, ça devient plus difficile de récupérer bien les ballons. Là, quand on n'a pas le ballon, un pressing haut, ça demande de l'intensité, ça demande de le faire collectivement comme il faut pour être efficace. Si on ne le fait pas ensemble, on ne peut pas être efficace. Non, mais après, c'est un discours que tu peux avoir avec eux. Après, c'est toujours pareil, c'est l'adhésion que tu as des joueurs ou pas. Si l'écoute, si ça rentre dans les têtes, s'ils ont envie de faire les efforts. Après, tu peux subir les événements aussi, parce que s'il y en a toujours un ou deux qui font pas. Mais après, il faut changer. S'ils ne veulent pas faire, on change. Il y en a d'autres qui vont faire. Ben, le groupe, c'est important. Mais il y a des joueurs aujourd'hui qui ont un acquis, qui ont un temps d'avance sur d'autres. Le temps d'avance, il peut fuir aussi. Hein. Ça peut être d'autres qui prennent la place après. Quoi. Si on n'est pas performant, quelqu'un d'autre qui va prendre votre place. Hein. Ça, c'est le lot des sportifs de haut niveau et des sports collectifs. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est Strasbourg, mais c'est l'envie d'être beaucoup plus conquérant et voilà, de récupérer le ballon beaucoup plus haut ensemble. Voilà, quand tu le fais mieux, et puis je te dis, il y a des joueurs qui sont arrivés, qu'il fallait qu'ils trouvent leur repère à travers le groupe. Et voilà. On a des joueurs qui sont intelligents, qui sont à l'écoute. Et qui a envie d'aller voir ce qui se passe un peu plus haut, quoi. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. Surtout, on a eu les situations pour punir l'adversaire, on l'a pas fait. Et on s'est fait punir en retour parce qu'on s'est fait égaliser deux fois. Non, il faut continuer à être capable d'avancer comme on le fait. Et puis, d'être beaucoup plus concentré par moment. Ouais, c'est la concentration aussi et faire de moins d'erreurs dans la lecture du jeu défensive par moment et puis être efficace comme je te dis tout à l'heure. Hein. Efficace quand tu as l'opportunité de scorer, il faut scorer quoi. Non, mais c'est une équipe toujours, quoi qu'il arrive, elle est difficile à manœuvrer chez elle. C'est une équipe solide et je pense que là ils vont être revanchards parce qu'ils viennent de prendre une déculottée à Nantes. Là, ils ont fait un no match. Ils ont fait un no match parce que Nantes a été très bon aussi. Hein, parce que Nantes a fait un gros match aussi. Et voilà, et je pense qu'il va y avoir une révolte de leur part et on s'attend à un match difficile. D'abord, on a Toulouse à jouer. On a trois points. Comme chaque match, il y a 3 points à aller chercher. Et après, avant de jouer Marseille à Iran Nantes aussi en Coupe de la Ligue. On en est loin de Marseille pour l'instant. Non, mais c'est bien pour les jeunes, parce que ça fait des matchs intéressants à jouer, même si hier c'était un match injouable. Avec le vent qu'il y avait, c'était catastrophique pour jouer au football. Voilà, on n'a pas vu du foot hier après-midi, on ne s'est pas régalé, c'était pas agréable. Après, pour les jeunes, c'est bien de se confronter à des équipes étrangères et voir leur niveau. Oui, bien sûr que ça va être intéressant de les voir. Voilà, je pense qu'on va voir l'équipe qu'ils ont tirée. Je ne sais pas quelle équipe on joue derrière. Les Turcs, voilà, ça peut être intéressant de voir
se qualifient, après ils rentrent avec les équipes supérieures, quoi. Qu'on termine deuxième dans les poules, quoi. Parce que là, les poules, je connais pas trop le parcours, mais c'est bien, c'est très intéressant pour les jeunes, ouais, c'est bien. Mais il est tout le temps avec nous, hein, déjà. Il s'entraîne depuis le début de saison, il s'entraîne avec nous. Oui, mais après, à lui de. Je le répète tout le temps aux jeunes, c'est à eux de montrer qu'ils sont au niveau. Après, il y a des joueurs aujourd'hui qui sont là avant eux, mais à eux de me montrer qu'ils sont capables de pointer le bout du nez et d'être performants avec nous. On attend que ça. Quand on est coach, on a envie. Et puis, je le répète tout le temps, on est un club formateur, on a envie de. Si on peut promouvoir les jeunes du centre de formation, on va le faire, il n'y a pas de problème.